Yo les gars, c'est Nsun, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur Danmachi Battle Chronicle, un jeu qui vient de sortir aujourd'hui, donc le 24 août, à peu près vers le matin. Moi je me suis réveillé à 6h du mat, et donc depuis tout à l'heure je joue un petit peu. Bon là j'ai fini juste le tutoriel entre guillemets, même s'il y a encore des choses que je dois débloquer, tu vois, je suis au début du jeu, mais j'ai fini le plus important, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment ça se passe, et aussi je vais vous conseiller d'y jouer. Alors le premier truc qu'il faudra que vous fassiez, c'est pas obligé, mais pourquoi pas regarder l'animé, puisque l'animé est déjà incroyable, donc c'est Danmachi l'animé. Il y a en VO, en VF, enfin voilà, vous pouvez regarder, c'est pas très long, etc. Il y a 12 épisodes, enfin pour la saison 1. Et aussi, donc le jeu, c'est un jeu gacha, donc vous voyez, un jeu gacha avec des invocations, etc. Enfin voilà. Et le jeu est vraiment incroyable, les designs, les gars, les cinématiques sont incroyables. Les cinématiques, il y a des reprises du manga et de l'animé. Il y a des scènes vraiment faites en mode animé, incroyable. Et en gros, ça va retracer l'histoire de l'animé un petit peu, bon, dans les grandes lignes. Et il y a aussi plein de moments où les personnages sont un petit peu dans ce design-là. Enfin, c'est vraiment incroyable, je vous conseille vraiment d'y jouer. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer toute l'interface. Alors, au début, quand vous allez arriver dans le jeu, vous allez devoir faire la première histoire, donc la 11 sur 11. Et donc voilà, vous allez faire les prologues, etc., les battles, tout ça, tout ça. Et quand vous allez avoir fini l'épisode 4, donc il y a juste ça, c'est pas très long, vous allez avoir une bannière gacha illimitée. Donc je sais pas si vous y connaissez en gacha, mais la plupart du temps, les gens recréent un compte et refont le jeu pour avoir des meilleurs personnages au début du jeu. Sauf que là, en fait, vous allez avoir une bannière où c'est illimité, ça veut dire que si vos 10 personnages ne vous conviennent pas, et ben vous allez pouvoir relancer, enfin pas le jeu, mais genre vraiment il y a juste un bouton refaire la multi, et donc vous allez pouvoir refaire directement les 10 invocations, genre illimité jusqu'à ce que vous ayez les personnages que vous voulez. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc moi j'ai eu, donc faut savoir que la meilleure rareté c'est UR, après il y a SSR et après SR. Et donc moi j'ai invoqué plein de fois et j'ai eu 5 UR, donc 5 UR c'est vraiment très très bien. Bon, pour les gros tryharders, vous pouvez essayer d'en avoir 10. Ça va être très long jusqu'à ce que vous en ayez 10. Et donc moi, j'ai eu les deux là en assistant et les trois en aventurier. Donc j'ai eu 5 UR, c'est pas mal. Du coup, quand vous allez avoir fini de faire vos 10 invocations à l'infini, vous allez pouvoir avoir tout le menu qui est là. Il faut savoir aussi que les gars, on ne sait pas quels personnages sont forts encore. C'est-à-dire que moi, je me suis contenté d'avoir 5 UR. Je ne sais pas s'ils sont forts ou pas. Parce qu'on n'a pas de tier list, etc. Mais du coup, voilà. Alors, à gauche, vous avez votre profil. Donc là, c'est pour mettre votre petite truc. Ici, vous avez les titres, entre guillemets. Là, c'est pour changer votre nom. Moi, je peux mettre qu'un nom en japonais. C'est bizarre, mais sur téléphone, vous pourrez mettre un nom en anglais. Oui, d'ailleurs, le jeu est disponible sur téléphone, Android, Samsung et aussi sur PC, mais sur PC je vous conseille d'y jouer sur BlueStacks, mais moi j'ai installé directement le launcher. Là vous avez votre rang, total point, tout ça, l'ID, self machin. D'ailleurs n'hésitez pas à m'ajouter en ami, hein. Alors juste là on a le chat. Oh bah il y a des gens qui parlent. Trop rigolo, attendez, je vais mettre un truc. On va mettre hop, petit cœur. Ici vous avez pour changer de scène, donc ça en gros c'est tous vos personnages que vous avez, donc ça c'est tous mes personnages les gars, et donc en gros vous avez la scène avec chaque personnage, et donc vous pouvez la changer, donc ça va être le background en gros, donc c'est assez rigolo. Les options, il y a beaucoup de choses, donc les infos on y était tout à l'heure. Field Guild, donc là c'est avec tous les persos, donc je vous montre vite fait si vous voulez faire pause, il y en a vraiment pas mal, mais c'est que le début. Hop, ça c'est les cartes, donc c'est un petit peu comme les armes on va dire. Inventaire, donc ça c'est votre inventaire, on va pas trop en parler maintenant. Les paramètres, vous avez la sensibilité, les touches, vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup, voilà, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça c'est la qualité du jeu avec le son, et ici on a la vitesse du texte, etc. Et d'ailleurs on peut skip les dialogues, pour ceux qui détestent les dialogues, vous pouvez tout skip, ça c'est vraiment cool. Alors là c'est si vous avez besoin d'aide, donc on s'en fiche un peu. Ça c'est, je sais pas, on s'en fout. Gacha History, vous pouvez voir vos bannières que vous avez invoquées. Donc moi par exemple sur le ticket SSR, ça vous l'avez tous d'ailleurs, c'est un ticket SSR où vous avez un personnage SSR ou plus. Moi j'ai eu lui. Et là c'est la bannière, comme je vous ai dit, débutante que vous pouvez faire à l'infini. Donc moi j'ai eu tout ça.
Hop. Ensuite, Link Account, c'est pour lier votre compte. D'ailleurs, vous pouvez jouer sur PC et téléphone avec le même compte. Title Screen, c'est pour retourner à la base. Communities pour le Discord. Là, c'est pour mettre des codes, mais je crois qu'il n'y en a pas encore. Si jamais il y en a, je les mettrai dans les commentaires, mais je crois qu'il n'y en a pas. Et les crédits, on s'en fiche. Hop, ici, c'est pour mettre en plein écran l'image. Ça, c'est votre stamina, en gros. C'est genre pour faire vos quêtes, etc. Enfin, comme dans Genshin. Là, c'est les jades stellaires, les cristaux primaires, les tout ce que tu veux pour invoquer, en gros. Et ça, c'est la monnaie de l'argent pour les personnages. Là, on a les bannières qui sont à la une. Je vais vous en parler après des bannières, mais vous allez voir que c'est pas ce que vous pensez. Ici, c'est le guide de bienvenue. Donc, ça va être tous les jours pendant 6 jours. On a des petites missions de bienvenue. Je les ai pas encore faites, c'est normal. Ensuite, à gauche, dans Notice, on a les events, tout ça, les notices, quoi. Dans Gift, j'ai déjà récupéré, mais vous avez les récompenses de préinscription et tous les cadeaux qu'on vous donne. En gros, c'est la boîte aux lettres. Dans Mission, il y a beaucoup de missions, mais donc ici, c'est les missions quotidiennes. Donc, ça se reset dans 12 heures. Donc, c'est à peu près, je dirais vers 20h, 21h. Ouais, 21h ou 22h. Donc, voilà, tous les jours, vos petites missions quotidiennes. Les missions weekly, donc c'est toutes les semaines. Ah, bah d'ailleurs, ça se reset dans 3 jours. Donc, ça veut dire qu'on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, ça se reset tous les lundis, en gros. Ça, c'est des missions gratuites, entre guillemets, free, je sais pas c'est quoi, il y en a plein. Et épisode, c'est des épisodes de. Enfin voilà, épisode. C'est des quêtes de personnages, je crois. Ensuite, on a le Battle Pass. Donc là, vous avez le pass, logique. Ici, vous avez les missions quotidiennes pour le pass. Et ici, les missions de saison. D'ailleurs, toutes les missions peuvent être faites, pas besoin d'acheter le pass. Par contre, pour les récompenses d'en haut, il faut le pass. Donc ça, c'est un peu triste. Je sais pas si je l'achèterai, on verra. Dans Shop, vous avez déjà Selas, donc c'est le nom des primogèmes. Ça, c'est les packs de bienvenue. Donc, vous avez plein de bonus. Vous voyez, 1 million de bonus. C'est incroyable. En gros, pour 12 000, vous avez 12 000 bonus. Et ici, vous avez les prix normaux. Donc, quand vous aurez acheté les bonus, vous aurez les prix normaux. Ensuite, pack, vous avez tout ça. Voilà, c'est des petits packs. D'ailleurs, ça, je vous conseille de les acheter. Ça coûte pas très cher. Mais c'est avec des cristaux paid. Quand vous voyez qu'il y a marqué paid, c'est des cristaux payants et free, c'est des cristaux gratuits. Donc ça, c'est que des cristaux paid, voilà. Et le pass, ça, je crois que c'est les pass quotidiens. Vous voyez, tous les jours quand vous vous connectez, on 7 daily login, enfin voilà. Pour 7 jours, vous avez des pommes de terre et tout. C'est le daily login. Ensuite, échange. D'ailleurs, échange, il y a marqué quoi? Jusqu'au 0309. Donc jusqu'à septembre, le 3 septembre. Donc ici c'est pour échanger vos trucs des pierres violettes. Là c'est les pierres en or. Là c'est les médailles dorées. Là c'est les tickets. Là c'est les clés arc-en-ciel, les clés dorées, les clés argentées. Bon je sais pas trop encore ce que c'est mais au moins vous savez. Et là les médailles. Ensuite ici donc gacha. Ici en gros cette bannière vous pouvez la faire une seule fois. Et c'est un aventurier garanti donc le main caractère. Ici, vous avez un assistant garanti et ici une carte garantie. Et donc, vous pouvez faire une seule fois chaque bannière. Et en gros, vous allez avoir un truc garanti. Donc là, par exemple, une carte garantie parmi toutes les UR, donc les ultra rares. Sauf que vous voyez qu'il y a marqué paid. Parce que vous pouvez faire que avec des jades que vous avez payées. Pour la bannière normale, elle est là. Donc celle-là, c'est celle gratuite, entre guillemets. La classique, mais je vous conseille de pas l'invoquer maintenant parce qu'il y aura bientôt des bannières. Donc vous gardez vos primogèmes pour plus tard. Mais donc ça c'est la bannière normale. Ensuite, My Character, c'est vos personnages. On va pas trop en parler, mais en gros quand vous cliquez sur un personnage, vous avez ici des. Ça c'est les missions CP. En gros, quand vous allez faire, plus vous allez jouer avec les persos, plus ça va monter et vous allez avoir des récompenses. La voix. Là c'est des quêtes quand vos personnages vont monter de niveau CP. Donc CP c'est en mode ils sont potes avec vous, je sais pas quoi. Bon là il faut être niveau 7 pour les guildes, donc la familia c'est les guildes. Et ici vous avez donc les aventuriers, les assistants, les battle items, donc genre les épées, tout ça, et les cartes. Donc voilà, et donc vous pouvez améliorer le niveau, limit break, awaken, et il y a plein de trucs comme ça. Ensuite, arène, je peux pas encore, c'est épisode 7.
Et les quêtes, vous avez ici la story quest, donc la quête principale, et donc vous voyez que c'est fait par saison. Donc après, il y aura la saison 2, saison 3, saison 4. Et vous avez pas mal de quêtes, et vous pouvez faire en mode hard. Attends, mais ils veulent pas tourner. Hard et very, very hard. Donc voilà. Et donc, training aussi, c'est des entraînements, et puis vous pouvez avoir des petites récompenses de temps en temps. Vous voyez que là, on avait eu un perso. Et les daily quests, c'est les quêtes quotidiennes, mais je peux pas encore les avoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous pensez du jeu. Si vous avez des questions, je vais répondre à tout le monde. Et surtout, les gars, installez le jeu parce qu'il est vraiment incroyable, vraiment. Et ajoutez-moi un ami aussi, pourquoi pas. Allez, ciao!